Vous reconnaissez ce thème, cette mélodie, vous reconnaissez ce logo Ubisoft? Mais bien sûr, mais bien évidemment, nous nous retrouvons sur Rayman 1, le Let's Play, qui a été suspendu pendant un an. Nous sommes à la partie 6 alors. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma. Et je suis franchement désolé de suspendre ce Let's Play, d'avoir suspendu ce Let's Play. Bon, j'ai tout préparé, donc voilà, petite cutscene. Allez, c'est bien l'émulateur, c'est bien. Tricher, faire des cutscenes. Vous savez, tout est bien dans l'émulateur. Bon, même si si vous voulez faire un jeu de NES, ne le faites pas sur émulateur. Voilà. Ou faites-le, mais sans les cutscenes. Donc voilà, sinon, je voulais vous dire que là, j'ai refait une partie. Donc nous sommes à 39 vies. On n'était pas à ça avant, hein. Si vous vous souvenez bien, on était, je sais plus à combien, mais une dizaine de vies, même à peine. Et donc là, j'ai essayé de ne pas perdre de vie. Bien sûr, bah, j'ai fait la partie assez rapidement. Donc pour la faire quand même assez rapidement, bien sûr, des fois j'ai fait quelques fails. Et donc j'ai utilisé, je vais le dire clairement, j'ai utilisé la cutscene. Mais sinon, voilà, on a déjà fait le niveau. On était exactement rendu là. Hein. C'est pour ça que je m'en souvenais très bien. J'avais même pas besoin de revoir ma vidéo pour m'en souvenir. Et oui, en fait, j'avais aussi, bah, j'avais arrêté un peu le let's play, un peu suspendu pendant un an quand même. Mais voilà, j'avais arrêté le let's play parce que bah, ça commençait à être bien chaud quand même, et puis j'avais pas trop le temps, et puis à ce moment-là. Et en même temps, bah, je crois que j'avais fait deux parties de la partie 6. Je l'avais fait deux fois. La première fois, elle durait 30 minutes, la deuxième fois, je crois que c'était 25 minutes, un truc comme ça. Et bah, en fait, c'était pour diverses raisons. La première fois, c'était bah, parce que je parlais pas trop et puis je faisais que de perdre contre le boss. La deuxième fois, c'était presque la même chose aussi. Enfin, je m'énervais un peu plus. Bon, je disais pas non plus des injures toutes les 2 secondes, mais voilà. On va dire que j'étais comme dans la partie 4. Voilà. Partie 4 ou partie 5, non, partie 5 ça allait, je crois, mais partie 4. C'est pas tip top. Je me souviens là quand on était à côté du boss de Monsieur Stone là. J'étais pas trop dans mon assiette. Mais voilà, sinon bah, c'est pour ça. Sinon j'ai refait la partie 6 aussi, il n'y a pas longtemps, bah, le 28 décembre. Puis je l'avais fait avec mon. Là maintenant je capture toujours avec le même logiciel, bien sûr, le logiciel de capture ça reste le même, c'est Fraps. Et sinon, par contre, je capture pas ma voix avec la même chose, le même logiciel. Avant, j'avais un petit logiciel sur mon Samsung, Galaxy Ace, si vous voulez tout savoir. Et bon, maintenant, j'ai un nouveau portable et bah, je me suis acheté un micro, voilà, un logiciel qui fait micro. Et il est vraiment pas mal, ce petit logiciel. Et enfin, j'ai l'impression que ça fait une meilleure qualité qu'avant. Voilà. Vous me direz dans les commentaires. Bien sûr. Mais j'ai vraiment l'impression que ça fait une meilleure qualité. Et le problème, c'est que bah, j'avais pas trop utilisé ce logiciel. Donc au début, j'avais capturé ma voix. Je croyais que ça capturait ma voix. Ça mettait enregistrement. Et en fait, pas du tout. Ça ne capturait pas ma voix parce que y avait pas des. Il n'y avait pas de son. Après, il n'y avait aucun son qui sortait. Après, je me suis dit, mais putain. Enfin, j'avais encore eu la version, c'était la version gratuite encore, donc je me suis dit peut-être parce que c'était la version gratuite, mais en fait c'était pas pour ça, c'est. Voilà, maintenant j'ai la version payante. Mais c'était pas pour ça, c'est parce qu'en fait j'avais mal, fallait cocher un truc dans les options, fallait farfouiller un peu, et voilà, j'avais pas fait ça, et maintenant ça marche nickel chrome. Mais bon, j'étais un peu dégoûté, donc faut que je refasse encore une fois la partie 6. En gros là ça va pas du tout être de la découverte. Hein. Mais en plus ça a été bien ma vidéo là, j'expliquais bien et tout et. Bon des fois je bafouillais un peu mais c'est toujours la première fois qu'on y arrive le mieux quoi. Donc ouais je suis un peu déçu. Mais c'est pas grave hein. Je vais pas encore suspendre le let's play encore très longtemps. De toute façon je ferai plus ça à partir de maintenant. Je suspendrai plus un let's play comme ça se fait pas trop. Il y a trop de suspense après, enfin bon, encore Rayman, c'est pas si grave parce que il y en a vraiment beaucoup qui l'ont fait sur YouTube. Bon si je sais pas si c'était un autre jeu moins connu, je
sais pas, par exemple Beyond Good and Evil, voilà. Et sinon, sinon ça fait vraiment, ouais, c'est... J'ai fait une belle erreur quand même d'avoir suspendu un let's play sur un jeu mythique comme celui-là. Voilà, je vais vous raconter une petite anecdote sur ce jeu-là, parce qu'avant je l'avais pas... En vrai, je l'avais pas à l'époque, c'était chez ma grand-mère que j'y jouais. En fait, c'était au début, j'avais le choix, c'était mes parents, ils me laissaient le choix. À Noël en 2002, oui, c'était par là, Noël 2002, j'avais le choix entre avoir une GameCube ou avoir une PS2. Voilà. Et ils avaient acheté entre-temps ce Rayman 1. Voilà, sur PlayStation 1, qui pouvait être lu sur PS2, bien sûr. C'est même là-dessus, de toute façon, que j'y jouais. Et bah moi, j'avais plus envie d'avoir la GameCube, parce que, bah... J'avais très bien connu la NES, hein, c'est ma toute première console, et j'avais pas envie d'abandonner Nintendo, et puis... Ah putain, et puis quand... Ce passage était assez hard. Et puis quand... Puis des fois j'étais allé chez un pote qui avait une Nintendo 64, et voilà, je me disais que la GameCube, c'est... Ça allait encore mieux, quoi. Enfin, j'avais aucune idée de ce que c'était, mais quand quand je l'ai eu à Noël, je me souviens, c'est... Enfin, j'étais bluffé, quoi. Enfin, je me disais, c'est plus des jeux vidéo là. Mais j'étais déjà bluffé par ce Rayman 1 à l'époque. Quand je l'avais eu, voilà, quand j'y jouais chez ma grand-mère avant d'avoir le GameCube. Parce que la PlayStation 2 était envoyée après chez ma grand-mère. Et donc... Donc voilà, et puis par contre, j'avais pas de... Putain, j'en ai marre. J'avais pas de sauvegarde. J'avais pas de... De carte mémoire, donc à l'époque bah fallait utiliser le mot de passe. Bon, bien sûr, vu que j'étais tout petit, déjà je venais tout juste d'apprendre à lire. Super, j'étais en CP. Donc bon. Et puis plus tard, quand je l'avais refait, quand j'étais bien plus vieux, et bah le jeu ne marchait plus très bien, et puis il marchait plus après, c'était trop rayé. Donc ça m'avait vraiment saoulé. Puis sinon. Il y avait aussi Rayman 2 là-bas, chez ma grand-mère, hein, décidément, c'est une grande fan de Rayman. Hein, et le jeu ne marchait pas par contre sur le PC, je sais pas pourquoi. J'avais pas essayé sur mon PC à l'époque, mais... Parce que c'était ouais, 2004 par là, ouais. Juste avant qu'il y ait la DS. Et la première fois que j'ai vu Rayman 2 sur DS après, bah, bien sûr, je l'ai eu sur Supercard, normal. Mais bon, pour Rayman 2, j'expliquerai plus en détail peut-être bah, dans le vidéo test de Rayman 2, parce que il faudrait bien que j'en fasse un. Et je me suis dit d'acheter la version PS2, qui est normalement la meilleure version. La plus belle que la version de Dreamcast. Donc c'est pas rien. Ah purée. Mais sinon, je suis jamais allé ici. Mais bon, voilà pour la petite anecdote. Et puis à l'époque, quand je le faisais sur la PS2, bah franchement je trouvais que ce jeu-là, ça changeait vraiment des jeux de NES. Et bah pour moi, c'est à partir de là que je me suis dit que les jeux vidéo, c'est pas juste un loisir, quoi. Ça peut être aussi. Ça peut être aussi. Enfin, c'est pas juste de l'amusement, c'est pas juste de la plateforme. Ça peut être également aussi de l'art. Surtout musical aussi, musicalement c'est vraiment... j'avais vraiment adoré, ça m'avait vraiment procuré bah, beaucoup de sensations, beaucoup de magie. Hein, vous savez, par exemple les films Disney que vous avez adoré quand vous étiez petit, bah, c'est un peu ça quoi. Et ce Rayman 1 franchement c'est... Bah, franchement à l'époque c'était vraiment une vraie claque, pourtant je faisais pas trop gaffe. À l'époque, moi, tout ce que je voulais, c'est m'amuser sur un jeu et puis c'est tout, hein, même s'il était pourri, je me rendais pas trop compte que les jeux étaient pourris. Par exemple, Dragon Slayer, je me disais qu'il était dur, mais que c'était pas une merde. Maintenant, je me dis que c'est une merde infâme. Voilà. Je m'en rends compte du truc. Mais oui, à l'époque, bah, je le trouvais vraiment difficile et j'étais allé jusqu'au monde, je me souviens du monde de la musique avec la musique Harmony. Je la trouvais vraiment fabuleuse, vraiment magnifique. Et c'est comme ça que... c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ouais, c'est... La musique peut être importante aussi. Voilà. Dans les jeux vidéo. Surtout parce que c'était...
Là, qu'il y avait vraiment de l'orchestral, moi j'avais connu les sons 8 bits, quoi, la plupart du temps. C'est pas la même chose. Puis la Super NES, je l'avais pas connue à l'époque. Parce qu'après, j'avais connu la Nintendo 64, mais bon. Nintendo 64, c'est pas la même chose. Ça fait un bon son, mais c'est pas de l'orchestral encore. C'est du son MIDI, donc bon. C'est-à-dire que ça a, mais c'est plutôt des bruits d'ambiance que t'as dans les jeux de Nintendo 64. Donc là, t'as vraiment des. Bah des vraies mélodies avec de la harpe, du violoncelle, enfin, vous savez quoi, de la trompette, beaucoup de trompettes, avec Monsieur Sax, le saxophone. Enfin bref, pour moi franchement, attention, ce boss il est extrêmement hard, mais je le connais bien. Là déjà il va surgir ici à gauche, faut faire gaffe. Voilà, et puis c'est un jeu surtout, t'as vraiment à chaque fois envie de connaître la suite, de savoir ce qui va se passer après, parce que c'est vraiment. Les univers sont vraiment différents à chaque fois, à chaque monde, c'est ça que je veux dire. Mais ce boss là, faut vraiment le connaître par cœur, parce que. Il va faire des attaques assez sournoises. Bien sûr. Pour l'instant il nous tire avec son espèce de truc pâtisserie là. Bon je me concentre un peu. Le cosmonaute barbare est assez. Vous savez, on l'a déjà vu dans la partie 5. Hein. C'était un pirate à l'époque. C'est l'époque, c'était il y a 2 secondes. Il faut avancer. Bon voilà, mais de toute façon, je vais pas vous dire ce que c'est le prochain monde, mais je sais où c'est. Je sais où ça se passe. Mais je vais pas vous spoiler. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas fait tout le jeu à l'époque. Parce que Rayman 1 est très connu, mais. Je pense que les derniers niveaux ne sont pas trop connus tellement que le jeu était dur. C'est vraiment un jeu hard, surtout quand on fait avec les mots de passe et même avec la sauvegarde, franchement vous avez vu. C'est pas facile. Et là je me suis planté, je suis allé un peu trop tard, voilà. Parce que c'est vraiment au pixel près. Hein. Le passage là c'était vraiment au pixel près. Sans déconner. Ah et puis la musique qui bug encore, bah. Je me suis dit de faire pas pour cette partie-là, parce que ça va être un peu trop tard, parce que là, on est le 30 décembre. Hein. Je vous ai pas dit, mais je vous ai pas souhaité une bonne année. Une bonne année 2015. Voilà, tout simplement. Parce que je vais envoyer cette vidéo le 1er janvier. Et donc, pour que j'ai le temps, je vais pas faire de montage ni rien, parce qu'en fait, au début, je voulais faire un montage pour vous, pour qu'il y ait la musique non-stop en fond, normalement là il y a la musique, mais c'est que j'ai encore le bug, même avec une PC portable, j'ai encore le bug, c'est-à-dire de l'émulateur, c'est que l'émulateur, il ne fait pas, enfin il met pas la musique en boucle, alors qu'on avait ça sur PlayStation, quoi, normalement. Normalement on avait la musique en boucle. Et c'est beaucoup mieux, là il y a la musique, elle s'arrête au bout d'une minute trente, quoi. Enfin, ça le fait juste une fois, quoi. Enfin, comme si la musique ne redémarrait pas quoi. Elle était finie et puis basta. Elle a fait son tour. La partition est finie. Donc, bon moi je trouve ça vraiment dommage, surtout que c'est un jeu franchement c'est important la musique. C'est. Encore si on était dans du Crash Bandicoot par exemple, bon on s'en fout un peu quoi. J'ai envie de dire. Et là c'est. Faire gaffe à ça. Ok. Et ce boss, franchement, là j'ai réussi. Mais franchement, ce boss n'est vraiment pas facile. J'ai vraiment galéré à 2 vidéos. C'est les 2 premières vidéos que j'ai fait là-dessus, j'ai galéré. Donc là, il disait que Betty la Fée était capturée. Voilà. Par Mister Dark. Donc on va faire une petite sauvegarde. C'est toujours bien de sauvegarder. Avec le rythme dans la peau. Bon, allez, on arrête ça. Si vous vous souvenez bien hein, des anciennes parties. Donc c'était saoulant au bout d'un moment. Et puis on dirait que, sérieusement, on dirait que je frappais la manette plutôt que de frapper les mains.
Donc ça faisait bizarre. Ça faisait psychopathe. Donc voilà, on va être dans une grotte. Voilà. Et je me suis fait un peu spoiler. Enfin, je vous ai pas dit aussi, bien sûr, le jeu, je l'ai acheté il y a 3 ans à peu près. Ouais. Et puis depuis, je l'ai pas refait. Peut-être que j'avais la flemme. Surtout que j'avais pas de carte mémoire, voilà. J'ai toujours pas de carte mémoire. Donc c'est pour ça que de passer sur l'émulateur, c'est parfait. Et puis aussi pour capturer, parce que j'ai vu, j'ai essayé de capturer avec mon boîtier d'acquisition, il veut pas. Le jeu est trop vieux, ou sa résolution est trop faible. Alors pourtant le jeu est magnifique. Parce que pour tout vous dire, le jeu, moi à l'époque, j'avais cru que Rayman 1 était fait en 2001. Que j'y jouais à peu près en... Ouais, putain, dans ces eaux-là quoi. En 2000-2001, j'avais dit ouais, il devait être sorti au pire 1999 quoi, mais vraiment au pire. Et en fait, quand j'ai vu la date de sortie, quand je l'ai acheté il y a 3 ans, là, je me suis un peu renseigné, et puis sur jeuxvideo.com, et puis quand j'ai vu la date de sortie 1995, alors là j'ai un peu halluciné quand même. Ce jeu est vraiment en avance sur son temps, c'est un truc de fou. T'as vraiment, en fait, t'as vraiment l'impression que tu joues un dessin animé. C'est incroyable. Et là je fais n'importe quoi. Je jouais mieux la première fois que j'ai fait ce niveau. C'est assez incroyable. Voilà, la partie que j'ai faite le 28 décembre. Voilà. C'est quand même assez incroyable. Bon, sinon les espèces de sphères, quand on en a 100, on a une one-up. Je sais plus si je l'avais dit, je pense que je me... En tout cas, je me souviens, je me suis planté lors du rétro-test. De toute façon, le rétro-test, on l'avait pas trop préparé. Puis à l'époque, j'ai envie de dire, on n'était pas trop branché au niveau jeux vidéo. Hein. Enfin, si. Mais... Comment dire, on savait pas trop expliquer. C'était l'une de nos premières vidéos qu'on avait faites. Et voilà, c'était moyen, on va dire. Je trouve que depuis qu'on fait des vidéos, en tout cas moi je trouve que j'ai gagné en maturité, on va dire. Firefly peut-être pas trop, mais c'est pas grave. Ah, et aussi écoutez-moi cette musique. À l'époque, quand j'étais allé, franchement, le plus loin où j'étais allé, c'était, j'avais battu Monsieur Stone. Donc après, j'avais vu peut-être un peu le monde des crayons. Mais après, j'étais pas allé plus loin parce que j'avais plus de vie. Comme un con. Et les mots de passe, voilà, j'en avais marre. Et donc, j'ai pas connu cette musique à l'époque, mais franchement, si j'avais connu, ça aurait été presque comme Harmony, je pense. Bon, certes, Harmony, je l'aime encore plus, hein. C'est peut-être à cause de la nostalgie, je sais pas. C'est le meilleur thème pour moi de Rayman. Franchement, ce thème-là, là, que vous avez entendu, franchement, c'est mélodieux, c'est magnifique. Voilà, c'est tout. Et franchement, respect à Michel Ancel, qui a créé cette série. Mais ne parlons pas des lapins crétins qui ont tué cette série. Bien sûr. Heureusement, les lapins crétins sont envoyés sur la Lune et ils sont plus là. Maintenant, on a le droit à des bons Rayman de plateforme 2D, comme on en avait à l'époque. Ah oui, parce qu'il y avait aussi Rayman Junior qui était sorti pas, enfin, qui est sorti 4 ans après ce Rayman 1. Ça a été fait avec exactement le même moteur graphique, hein, en 2D comme ça. Sauf que c'est un jeu éducatif, Rayman Junior. Et donc, en fait, c'est un jeu qui t'apprend l'anglais, voilà. Et donc, par exemple, je sais pas s'il y avait, par exemple, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, My Name Is,
Il y a un côté, t'as un passage où il y a marqué ton nom, et l'autre passage, il y a marqué un autre nom. Je sais pas si c'est un truc, je dis n'importe quoi, mais voilà. Et, Monsieur Joe, là, il va nous donner un nouveau pouvoir, un truc. S'il veut bien. Joe donne à Rayman une luciole pour s'éclairer dans le noir. Voilà. Ce qui est fou dans chaque monde, c'est vraiment... T'as vraiment un gameplay propre à chaque monde. Le gameplay avec... Enfin, je vais en parler de ça après. J'ai tellement de choses à dire. Quand on... D'accord. Quand on a beaucoup de choses à dire, voilà. On galère un peu et on joue comme une merde. Voilà, pourtant, j'ai évolué là. J'avais dit dans l'autre vidéo que ma skill a évolué. J'ai réussi à battre le boss d'avant déjà. Avant, j'y arrivais pas. Sérieusement, hein. J'y arrivais pas du tout. Voilà, on va essayer de se faire les Electoons maléfiques. Voilà. Les électrons, c'est quoi le contraire des électrons? Je sais même pas. Je sais même plus, c'est super. Mais voilà, pour Rayman Junior, c'est un jeu éducatif et quand on passe dans le mauvais endroit, quand on passe dans le mauvais endroit, quoi, tout simplement. Là où il n'y a pas marqué votre nom, voilà, comme je disais avant. La mauvaise réponse. Et ben carrément on crève d'un coup, voilà. Donc en fait c'est un jeu assez punitif, hein, j'ai l'impression. Et je l'ai pas essayé, mais bon, j'ai pas trop envie de l'essayer. Avec mon niveau d'anglais assez... On va dire que c'est pas potable. Alors, là il y a une vie assez simple à avoir, mais je me suis fait avoir. Là, des fois vous avez remarqué qu'il y a des cages où il y a des Electoons à l'intérieur qui apparaissent d'un coup, ou comme par exemple ce piège qui a apparu d'un coup, ça s'appelle des événements. C'est des événements qui arrivent comme ça. J'en ai marre. C'est des événements qui arrivent comme ça et c'est très fourbe. Et vous allez voir pourquoi c'est fourbe quand même. Bah déjà je me suis fait toucher là. Puis j'ai fait n'importe quoi, je suis mort. Franchement, j'ai envie de recommencer, mais en même temps, voilà. J'ai pas trop de temps. Là, on est le 30 décembre. Donc la vidéo, je vais l'envoyer bah, demain, quoi. Presque. Je vais le mettre le 1er janvier, peut-être à minuit, voilà. Puis quand ce sera le 1er janvier. Si ce sera possible. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que enfin, le gameplay ne cesse de s'améliorer à chaque fois qu'on avance. Et à chaque fois, bah, comme vous pouvez voir ça, on n'avait pas dans d'autres mondes hein, la luciole là. C'est vraiment quelque chose qui est spécifique au monde. Et ça, c'est quand même chapeau à Michel Ancel, c'est son premier jeu quand même. Et son équipe, bien sûr. Purée. Bah, chaque monde, franchement, t'as des jeux par exemple Mario Bros. Les mondes, certes, ils sont quand même différents. Le monde de glace, le monde de feu ou les trucs comme ça. Certes, c'est différent. L'environnement est un peu différent. Mais c'est New Super Mario Bros. Wii, par exemple, bon, c'est pas trop d'âme quoi. C'est assez classique. Et puis, tu sens que le gameplay. Il s'use quoi, c'est au bout d'un moment ça devient toujours la même chose. Alors que là à chaque fois que tu avances t'as toujours des nouveautés. T'as toujours par exemple le premier monde c'était avec notre pote la libellule. On avançait extrêmement vite. Enfin, c'était pas très dur ce passage mais j'ai perdu plein de fois, vous vous souvenez, lors de mon premier try dans le let's play. C'était magnifique. Au tout début, dans la partie 1. Voilà, ce passage est assez simple. En plus, j'avais réussi du premier coup dans le rétro-test. Hein. C'est assez énorme. Je vais essayer d'avoir ça. Je vais faire gaffe au temps. On est déjà rendu à... Ah bah non, ça va. On est rendu à 24 minutes. Je m'attendais à pire. Enfin, 25 minutes. Intro, tout ça. Voilà. Oh purée.
Ouais, bon, par contre, ça c'est fourbe. Ça c'est très fourbe. De mettre des Electools qui volent comme ça. Bah, et sinon, l'ambiance, franchement, c'est. Bah, vous écoutez là, il y a du tam tam. C'est vraiment. On est dedans, hein, on est dans la grotte là. Avec les bruits d'ambiance et tout. Avec des bruits qui résonnent. Comme si on était dans une vraie grotte. C'est vraiment. Et puis les détails, franchement. Ce jeu, il est magnifique, mais de A à Z. Je parie que même au dernier monde, ce sera toujours aussi beau. C'est. Bah, c'est un dessin animé, voilà. Vous rendez-vous compte que le jeu est en 240p quand même. 240, c'est rien du tout. Sur PlayStation 1, les jeux, ils étaient moches. En 3D, c'était horrible. Puis même en 2D, c'était pas. T'avais des jeux de Super NES qui étaient plus beaux. Et là, franchement, bah. Ce Rayman 1 montre vraiment la réelle capacité de la PlayStation 1. Avec aussi, bah, il était sorti sur Jaguar, mais bon, Jaguar, on va dire c'est un peu de la merde, quoi. Personne s'achetait la Jaguar, franchement. C'est une arnaque totale, cette console. Non. Mais ceux qui l'ont acheté, ils se sont fait avoir, quoi. Comme moi avec Dragon Slayer. Mais ça, c'est autre chose. Ça commence à être. Ouais, je parlais pas trop parce que voilà, c'est passage difficile, hein, vous savez. C'est dur de se concentrer. Ouais, quelle belle esquive. Et là aussi, c'est assez hard. Putain. Vous avez vu quand même comment c'est au pixel près quand même. C'est. T'as pas le droit à l'IRA. Bon, ce Rayman 1, t'as pas le droit à l'IRA. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai super mal joué par rapport à mon ancien try, mais je suis allé plus vite. Bon, d'un côté, on va dire que c'est mieux. Parce que j'étais très prudent dans l'autre try. Hein. J'allais pas vite. Hein. Là, on était déjà à 40 minutes. Mais bon, il me restait encore 40 vies, quoi. Donc, il me reste seulement 36. Je dis seulement parce que j'ai peur, en fait. Bon, encore, j'ai tous les continus, donc je pense qu'il y en a 5 des continus. Encore, ça peut aller. Escape! Bon, je peux rien faire. Et c'est pas du sang qu'il y a dessus, c'est du ketchup, hein, les enfants. Ne vous en faites pas. Je vais arrêter cette blague. Alors, vous voyez, je me souviens toujours de ce que j'ai dit. Hein. Et puis je me suis dit aussi que faut absolument pas arrêter ce let's play parce que on était proche du but. Comment dire, ce jeu est tellement culte, il faut pas s'arrêter. Et puis même, j'ai fait une intro culte avec la musique d'harmonie là. Donc voilà, je me suis dit après, mais non, c'est pas possible, faut pas s'arrêter maintenant. Enfin voilà, la détermination. Oui, c'était la flemme pour suspendre un an. Mais c'est pas grave. Oh purée! Voilà, vous avez vu là un événement, c'était super fourbe. Les checkpoints comme toujours. Et un petit téléphone. Par contre, il y a un truc où j'ai vraiment peur. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette information, je crois, sur jeuxvideo.com encore. J'espère qu'ils ont faux. J'ai l'impression que pour finir le jeu, faut avoir tous les Electoons. C'est ça, le let's play, il va durer longtemps. Je vais pas vous montrer les passages où je reviens dans les mêmes niveaux pour avoir tous les Electoons. Mais franchement, c'est... Surtout des fois, comment c'est fourbe pour avoir les Electoons. Ouais. Ah ouais, mais je fais n'importe quoi. Je vous jure, je suis passé du premier coup hein, au premier try. C'est quand même assez incroyable, le deuxième try c'est toujours le pire. Le troisième après ça va mieux. Donc là ça va aller mieux. Mais c'est toujours pas aussi bien que le premier. Purée, j'en ai marre. C'est tellement rapide. Je suis pas Sonic. Purée. Ouais. Bah, c'est vraiment, plus t'avances dans le jeu, plus tu vois que c'est au pixel près, quoi. Enfin,
Déjà, rien que le monde de la musique, là, le deuxième monde, c'est déjà dur. De toute façon, à ce jeu-là, tu joues pas pour te reposer, hein, même si tu joues pas après une grosse journée de travail, quoi. Tu vas encore plus t'énerver. Tellement c'est hard, tellement c'est... Mais ce qui est énorme, c'est que c'est hard, mais on veut voir plus loin, quoi. On veut aller plus loin. Pas comme d'autres jeux comme Ghosts'n Goblins par exemple, moi je me dis, allez ça me saoule, je vais pas plus loin quoi. Alors qu'on a des continues à l'infini quoi. Bon, on fait quoi là? La question. Ah oui. Un événement encore? C'est fourbe. Hein. Ah les événements. Mais au début encore ça allait, c'était juste pour avoir une vie. C'était une vie qui apparaissait dans les événements, mais là c'est carrément la fin du niveau quoi. Tu te dis ça vous suive. Ah, et aussi un nouveau bestiaire, le bestiaire fait que de changer quand même aussi. Bon certes quand même il y a de la répétition, hein. Vous voyez il y a les mêmes là. Mais voilà, celui qu'on voit à gauche, là, l'espèce d'insecte qui m'attaque. Qui m'attaque, qui est pas rond et qui m'a tué d'un coup. Avec son dard. Voilà. J'étais à 37 vies, je crois, ici, ouais. Je m'en souviens. En même temps, ça fait que 2 jours. Donc on va faire attention à ces trucs-là qui galopent comme des chevaux. D'ailleurs, ça fait le même bruit que des chevaux qui galopent. On apprend ça. Purée, il a rien senti. Pourquoi cet ennemi? C'est à moitié un mini-boss. Voilà, c'est bon. Surtout que j'ai pas les points ultimes, là. J'ai pas le point doré. Donc ça c'est pas terrible. Mon dieu mais... Mais mon dieu quoi. Ce jeu c'est pixel près. Ah faut vraiment être motivé quand même. Purée. Purée oui faut vraiment être motivé. Voilà. Heureusement qu'on a 43 vies je crois. On avait ça au début. Heureusement que j'ai refait le jeu avec des vies en plus. Bien sûr, je vais pas tricher, hein, je vais pas utiliser que de save et tout. Bien sûr, on va faire comme si on était à l'époque, hein, la bonne vieille époque. L'époque où il y avait que des jeux gamers. Ou presque. Ou des jeux impossibles comme Dragon Slayer. Et pourri. Pourquoi il s'est relevé? Oh, on se baisse. Voilà, fallait se baisser à la fin. Et là, je fais regarde parce que j'ai remarqué que des fois, il y a un insecte qui arrive. Purée, pourquoi il se baisse, lui? Ça, il était plus facile à battre avant. J'ai pas de bol. Des fois, ils sont plus simples, des fois, ils sont plus coriaces. Bon, là, on s'en fout. Hein. C'est plus simple de faire ça. Voilà. C'est... Qu'est-ce que c'est fourbe, quand même. Je le répète, mais c'est fourbe. Et donc voilà. Et donc je n'ai plus grand chose à dire. Je dis pas mal de choses. Petite anecdote, un petit... J'ai raconté un peu ma life, normal. Si on rocher. Ah c'est bien. Au premier trait, je me suis planté. C'est bien, c'est bien. Je me suis planté et puis j'ai recommencé. Donc vous voyez, là c'est le troisième trait et je me débrouille bien. Non mais vous voyez, c'est... Ah et là je voulais y aller mais en fait après j'ai abandonné. J'ai pas préféré y aller puisque j'avais perdu plein de fois. Et là on a perdu que 2 fois, ou 3 je crois. Bon ça va, dans un Rayman ça va. Ah et là faut un peu connaître le niveau mais bon c'est pas méchant. C'est pas bien méchant. Faut se baisser un peu ou se mettre complètement à l'écart. On saute, on esquive les porcs épiques.
qui ressemble à une tête de poisson, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un poisson. D'ailleurs, on va avoir un espèce de niveau aquatique après, enfin, aquatique. On va pas être dans l'eau non plus, mais sur l'eau. Il y a plein de plateformes. Et c'est là que j'ai bien galéré aussi. Parce qu'il y a des piranhas géants qui t'attaquent. Alors je pense que c'est des piranhas vu la gueule. C'est si agressif que c'est des piranhas. Aucun doute. Donc là, il y a Rayman qui fait du surf. Voilà, l'animation. Encore une fois aussi, c'était du jamais vu à l'époque, l'animation de tous les ennemis. C'est vraiment magnifique, c'est... Je le répète encore, je sais même plus si je l'avais dit dans la première partie, mais voilà, les animations sont vraiment magnifiques. Rayman est extrêmement bien animé. C'est extrêmement fluide, hein. On a vraiment l'impression d'être en... Ouais, on est en 30 FPS, là, c'est... Pour l'époque, sur PS1, c'est incroyable. Parce que les jeux, ils ramaient souvent sur PS1. En tout cas, d'après mes souvenirs, quand j'ai joué chez des potes à la PlayStation 1, voilà. On va faire gaffe. Ah, vous voyez, c'est quand même... C'est risqué. Et là, je me faisais chier à sauter par-dessus les peurs qui piquent. Mais regardez, il fallait juste se baisser. C'est trop con. J'essayais d'avoir les sphères, hein, bien sûr. Non, je rigole. J'ai esquivé les porcs épiques, voilà, c'était ça mon but. Il y a plus simple, il y a juste à se baisser. On s'en fout totalement. Un petit P, ça fait toujours plaisir. Attention piranha. Ah putain. Oh là là, mais... C'est pas possible, comment c'est au pixel près? Là vous avez vu, c'est vraiment... Tu fais un saut, faut vraiment que Rayman soit le plus haut possible. Et ça, je déteste. Le pixel près, c'est pas mon truc. Mais j'ai envie de continuer. Attention au porc épic. On va sauter. Là, j'ai failli me gameler, super. Voilà, encore, regardez l'arrière-plan, c'est... Bon, encore, là, c'est pas le meilleur arrière-plan. Ah, j'ai du mal. C'est pas le meilleur arrière-plan, mais... Ça reste beau. Ah oui, enfin. Ça, vous avez vu, j'ai eu de la chance, encore. Oh, putain de... Et même en connaissant, on se plante. En fait, je voulais vous dire que les boss ne sont pas si hard que ça. Vous avez vu quand même que le boss d'avant... Bon. La première fois que tu le fais, tu dis... what the fuck? C'est quoi ce boss? Voilà, tu te plantes la première fois, tu te fais défoncer. Mais au fur et à mesure, quand tu refais le jeu, en le refaisant, là, en rebattant Monsieur Stone, Monsieur Sax, franchement le jeu est... Enfin, les boss sont vraiment pas si hard que ça. Ils sont très techniques. Mais quand tu connais vraiment leur pattern, bah, c'est tranquille. Ça se fait naturellement et on se plante pas. Ouais, magnifique cette prise. Mais qu'est-ce que je fais? J'arrivais pas à aller sur le machin bleu, c'est énorme. Donc attention piranha. Voilà, petit saut. Piranha géant. Il fait chier. On saute parce que je sais que le truc il va pas plus loin. Là, faut quand même connaître des trucs. Là faut se baisser. Voilà. Parce que je me suis fait avoir avant, je m'étais pas baissé. Là faut sauter. Faut connaître. Ça, le problème de ce genre de niveau, c'est faut vraiment connaître et connaître par cœur. Et voilà, gagné. Donc voilà, nous sommes à 40 minutes.
Je dirais, bon, allez, un autre niveau? Un autre niveau. Bon, on va sauvegarder, car la sauvegarde, c'est précieux pour moi, vous savez. D'ailleurs, j'ai changé les titres de mes parties hein, pour le Let's Play Rayman 1. Avant, je mettais juste partie 1, partie 2, enfin, tout bête. Mais j'avais envie de faire un truc un peu rigolo et voilà, de mettre des titres à chaque vidéo spécifique. Et donc la partie 2, je crois que c'était les vies, c'est précieux. J'avais mis un truc du genre. Parce que j'en avais perdu pas mal et je sais, j'avais perdu un continu si je me souviens bien, ouais. Ou deux. J'avais peut-être perdu deux continus. Donc c'est pour ça. Ah, une nouvelle musique. Là par contre, c'est découverte par contre. Je vous ai pas dit, là c'est découverte maintenant. À partir de maintenant. Là je connais pas du tout le niveau. Et je me plante déjà. J'ai de la chance. Mais c'est le réflexe de débutant, vous savez. Non! Oh mon dieu! Oh mon dieu ce truc! Oh mon dieu ce pixel! Prêt! J'arrête pas de dire ça mais ça m'énerve. Donc. Et voilà, une musique sympathique on va dire. Un peu tranquille hein, on va dire. Une musique tranquille. Ça apaise un peu on va dire, mais même si le jeu reste extrêmement hard. Donc ça apaise pas trop. Mais ce qui est marrant, c'est que les niveaux ils sont souvent super stressants et à côté de ça t'as une musique d'ambiance qui est cool. Donc bon. Reposante, dépaysante. Enfin, vous voyez le truc. Magique. Voilà, faut le dire. Une one note très facile à choper, des bizarres. Oh voilà, cette technique. C'est déjà la fin? Non. Ouais, mais en même temps, vous me direz, il y a plusieurs séquences. Bien sûr. Bon, cette séquence n'était pas si hard que. Ça. On est déjà au boss? Ouais, attention! Attends, les mecs, si on est déjà au boss, c'est pas possible. La petite musique. Voyons. J'ai essayé d'apprendre ses patterns. Super, c'est. C'est bien parti. Bon déjà on sait jamais quel bloc tombe. C'est bien parti. Donc on le réveille. Oh purée, super. Oh là c'était perfect. Oh purée. Oh putain, comment tu peux savoir? Oh voilà, ça m'énerve un peu. Ce boss il a une très bonne animation. Ce qui était impressionnant aussi à l'époque c'était la grandeur des sprites et surtout qu'ils étaient extrêmement bien animés. Parce qu'à l'époque c'était très dur d'animer un sprite énorme. Même si on est sur la PlayStation, faut dire quand même. Putain. Que c'est impressionnant. Et même, je me suis tâté un peu de la version Game Boy Advance. Sur émulateur, bien sûr, je n'ai pas la version Game Boy Advance. J'ai que la version PlayStation 1. Purée. Sur ma PS2. Et je suis encore tombé, c'est super. Et sur la version web, Rayman sur Game Boy Advance, c'est pas la même chose quoi. Le jeu, il est extrêmement pixelisé, enfin quand tu vois des sprites comme ça, là vous voyez, il y a un peu de pixels, mais encore ça, c'est 240p quoi, mais c'est quand même, ça reste magnifique. Sur Game Boy Advance, c'est moche, hein, c'est laid. Il y a beaucoup moins de couleurs aussi. Donc la version Game Boy Advance, franchement, on va dire, elle est un peu ratée.
Bon, en même temps, c'est un peu logique, hein, parce que c'est... À la base, c'est pas une 32 bits, hein, c'est une 16 bits, hein, faut le dire. Et elle a beaucoup moins de couleurs. Et les musiques sont atroces aussi. J'ai pas dit, mais les musiques sont atroces. Que du boom sur cette version Game Boy Advance, hein, ne trouvez-vous pas? Oui. Purée. Par contre, on peut pas le toucher, donc ça se trouve... Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce boss? Mais j'ai rien compris. Vous savez ce qu'il faut faire, vous? J'ai rien compris du tout. Ok. Mais je pense pas qu'on puisse le toucher parce qu'on voit pas sa barre de vie. Faut déjà se dire ça. Attention! Je sens que lui il va tomber. Ah non, même pas. Alors on court vers l'ennemi. Enfin, on essaie de l'attaquer. Je sais pas, j'en sais rien moi. Purée. Oh purée. Ah oui d'accord, quand il fait ce... quand il tape par terre, ça nous fait tomber. Ah ok. Bon, en même temps c'est logique. Mais ça me fait un peu chier. Bon, il a l'air pas si hard que ça. En tout cas, s'il faut résister un certain temps. Je vois pas du tout comment le tuer, sinon. Mais je pense que c'est juste une séquence où on doit s'enfuir, quoi. Un peu comme Monsieur Stone, peut-être. Bon, là, il va faire tomber la plateforme, normalement. Faut vraiment maîtriser par contre le cette technique là. Je la maîtrise pas complètement. Putain non. Bon, quelques injures. Je m'en excuse d'avance. Ou un peu à la bourre. Ah bon, on va pas perdre toutes nos vies, hein. Ça se trouve, j'ai. Vu que j'ai sauvegardé juste avant, ça se trouve, j'ai... Attends, je vais recharger la partie. Peut-être pour la prochaine partie, si jamais j'y arrive pas. Si jamais on perd trop de vie, c'est bon. Vaut mieux en profiter qu'il y ait une sauvegarde juste avant. Oh purée! Ah non, il m'a touché! Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Enfin... D'un côté on se dit ça sert un peu à rien ce que j'ai fait. Combattre le boss. Mais ça laissera comme ça plus de suspense. Qu'est-ce que t'as eu? Bon là de toute façon je suis obligé de revenir. Non! Non! Pourquoi? Pourquoi, Dieu? Pourquoi? Non. Je parle pas beaucoup, mais j'ai pas grand chose à dire. C'est trop bas. Simplement qu'il est impressionnant. Eh mais j'arrive pas trop bien à maîtriser le... Enfin vous savez là, quand on s'accroche. Ah, mais pourquoi il s'est pas accroché là? Ah, pourtant j'étais suffisamment haut. Ah, je sais pas, mais... C'est trop pixel près, sinon. Trop pixel près. Oh purée, 20 vies. Ok. C'est très important aussi les continues. Trop purée. Je savais pas que j'allais passer par les continues après quand même. C'est assez incroyable. J'espère que je suis pas le seul à perdre autant de vie. Mais je pense que j'ai peur, j'ai bien peur que si.
même si le jeu est considéré comme super hard. Oh, cette esquive! Oh, c'est beau! Voilà, faut s'y prendre à l'avance en fait. Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est impossible! Attends, t'es obligé de te faire voir la première fois. Ok. 51 minutes. On va bientôt s'arrêter. En tout cas, la musique est pas mal. Elle a même pas le temps de se couper tellement que je me plante direct. C'est énorme. Ah purée, qu'est-ce que je fais? Bon là, il va le faire deux fois, il va reculer. Hein? Faut savoir quoi. Oh putain! Et qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Je stresse déjà. Putain, non, pas la dernière plateforme. Qu'est-ce que c'est que ce boss? Ok, nous sommes encore face à un boss très étrange. Au pire, je m'entraînerai contre ce boss parce que là, j'ai pas trop envie de recommencer plein de fois. Donc voilà, on va quitter le niveau si je peux. Et je peux pas. Bon, on va juste mettre en pause comme ça. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve pour la partie 7.